Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de février 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois. Alors gardez bien à l'esprit évidemment que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tous, donc vous ne prenez que si ça fait écho, si ça vous aide à cheminer, à avancer. Sinon vous laissez de côté, allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous ne me donnez que des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails, hein, le but de cette première approche, serait beaucoup moins intéressant. Voilà. Pour le préambule, comment on fonctionne pour ce mois-ci? On utilise les arcanes majeurs du tarot des fées pour voir la vibration principale de votre mois et on développe avec le Light Source Tarot. Voilà pour le programme les Gémeaux, on est parti, on regarde tout de suite l'énergie, la vibration de votre mois. Et vous avez l'arcane majeur numéro 1, le magicien, un nouveau départ, on crée quelque chose, on a envie de créer en tout cas avec le magicien. On vous dit sur cette carte, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Il y a vraiment l'idée avec cette carte du magicien, effectivement, comme je le disais, c'est l'arcane numéro 1, donc elle entame un nouveau cycle. Et le magicien, en fait, il nous dit que le pouvoir est entre nos mains. C'est nous qui avons la possibilité de manifester, de créer ce que nous souhaitons, ce qui est important pour nous. On a, avec la carte du magicien, l'idée d'avoir toutes les ressources nécessaires pour... soit pouvoir innover, soit pouvoir mettre en place de nouveaux projets, soit se créer de nouvelles relations. En fait, il va s'agir peut-être pour vous de faire un petit peu le point sur ce que vous avez déjà et ce dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. On nous parle de capacités, en fait, avec le magicien, hein, d'avoir des capacités vraiment très créatives sur lesquelles vous pouvez compter, d'accord? Donc, peut-être que vous avez besoin de conseils, peut-être que vous avez besoin d'aller chercher encore quelques outils complémentaires, mais l'essentiel est là, vous l'avez, pour pouvoir vraiment créer, être dans l'action et manifester vos désirs. On vous dit, soyez responsable de votre vie, vous avez la capacité de tout entreprendre. Donc là, en tout cas, il y a un vent de nouveauté, un vent de nouveau départ pour vous qui souffle peut-être l'envie d'agir, l'envie de passer à l'action dans un domaine de votre vie particulièrement. On va voir un petit peu comment ça se manifeste dans ce tirage et on va découvrir tout de suite les énergies avec lesquelles vous allez aborder ce mois de février. As d'épée, très bien, un as, 4 de coupe, oui, ok. L'as d'épée, voyez, on commence votre tirage avec cet as, numéro 1, comme le magicien. L'as d'épée, c'est une nouvelle idée, c'est une nouvelle vision, c'est quelque chose qui s'éclaircit, c'est quelque chose là qui sort de notre tête et qui vient allumer la lumière, entre guillemets, sur une nouvelle perspective, sur des solutions qu'on trouve par rapport à une problématique, sur une nouvelle envie, un nouveau concept, peu importe. Parce que ici, j'ai l'impression quand même que pour certains, avec le 4 de coupe, il pourrait y avoir un peu d'ennui. Il pourrait y avoir un petit peu ce côté, ouais, bah c'est bien, je suis tranquille, je suis à l'aise, ça se passe bien dans ma vie, mais bon, voilà, je m'ennuie un petit peu. Il y a peut-être un côté routinier, il y a peut-être un côté un peu lassant dans votre vie, quel que soit le domaine, qui vous donne envie, du coup, d'injecter un petit coup de nouveauté, d'injecter peut-être de nouvelles idées dans un projet pour qu'il se dynamise, pour qu'il évolue, pour qu'il change, pour qu'il prenne un nouvel essor ici. En tout cas, cet as d'épée va nous parler vraiment de lucidité, de vérité, de voir les choses clairement, d'avoir une capacité d'analyse face à une situation pour éventuellement trouver des options, trouver de nouvelles options, de nouvelles solutions. Hein. On a en tout cas ici un intellect qui nous permet de pouvoir prendre le dessus sur une situation, de débrouiller les choses, de comprendre un petit peu les intérêts de chacun peut-être dans une histoire et de trancher aussi éventuellement par rapport à une situation ici qui pourrait... être l'objet de cette insatisfaction. Alors, malgré tout, le 4 d'épée, il n'y a rien de catastrophique, hein, c'est pas une mauvaise carte, simplement. Voilà, alors, c'est posé, c'est tranquille. Peut-être que vous prenez, justement, hein, ce temps de recul, parce qu'on peut nous parler un peu de repos, de méditation,
de se reposer avec ce 4 de coupe. Peut-être que vous prenez ce temps de recul et que vous êtes un petit peu dans cette énergie-là début février, en vous retirant un petit peu de votre vie sociale, etc. En tout cas, certaines formes de repli, entre guillemets, pour pouvoir réfléchir à tête reposée, trouver de nouvelles idées, vous concentrer et être focus sur un objectif. C'est possible, à vous de voir comment ça vous parle. Pour certains, vous avez besoin d'injecter de nouvelles idées, une nouvelle dynamique dans une situation qui soit est stable, soit est calme, soit est plutôt équilibré, mais qui peut manquer un petit peu peut-être voilà, d'énergie et de folie, entre guillemets. Bon, on va voir votre objectif. Le pape. Le pape comme objectif. Alors le pape, oups, pardon, j'ai tapé dans le fil de la caméra, donc ça a fait bouger, excusez-moi. Le pape comme objectif, c'est l'arcane majeur numéro 5 du tarot. Le pape, il va nous parler de compréhension, il va nous parler de trouver des clés. Moi, j'ai l'impression qu'ici, pour vous, en tout cas pour certains d'entre vous, il y a l'idée d'aller chercher des solutions, d'aller essayer de trouver des solutions. Peut-être que ce pape, ici, c'est vous. C'est vous ce mentor, c'est vous ce guide, c'est vous qui avez le savoir, c'est vous qui avez les clés. Il y a peut-être cette symbolique-là dans votre tirage. Mais le pape peut aussi symboliser une figure, entre guillemets, d'autorité, qui peut aussi être un appui que vous avez en tête, d'accord? Le pape, c'est un conseiller, c'est un avocat, c'est un thérapeute, c'est un juge. C'est quelqu'un qui a les clés du savoir, c'est quelqu'un qui est un conseiller et qui va pouvoir nous guider, nous orienter, nous apporter son expérience, ses connaissances pour pouvoir évoluer. Alors, soit c'est effectivement ce que vous souhaitez pour vous, peut-être que vous avez une dynamique ici d'apprentissage, de professorat, de transmettre ce que vous avez acquis au cours de votre vie, de votre expérience personnelle ou professionnelle, et vous avez ici envie avec ce pape d'être dans le partage, d'être dans l'écoute des autres, de aussi bien évidemment peut-être éduquer, rechercher certaines solutions pour des personnes. Vous voyez, il peut y avoir le fait de s'incarner un petit peu là comme un mentor, comme un patriarche, comme un conseiller, comme un guide. Alors, bien évidemment, pour chacun, ça va prendre des formes un petit peu différentes, mais ce pape, il y a vraiment cette idée d'être aligné. Vous voyez ici, c'est droit, cet alignement, il est au clair, le pape, entre ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il fait, ce qu'il dit. Vous avez peut-être envie d'officialiser certaines choses pour certains d'entre vous, de contractualiser certains engagements, certains contrats, officiellement, puisque là on nous parle quand même de magicien, il y a des choses qui peuvent un petit peu se matérialiser pour vous de cette manière-là. En tout cas, le pape nous indique que vous, ce que vous souhaitez, c'est être au clair, c'est être aligné, c'est être dans l'écoute, dans la réception, dans la réceptivité de vos émotions, de ce que vous ressentez, et aussi dans le soutien et l'accueil des autres. Hein. Il peut y avoir un appui ici, à vous de voir comment ça vous parle, mais j'ai l'impression que, voilà, on veut avancer par rapport à peut-être certaines connaissances ici aussi que vous avez besoin d'apprendre. Hein. Vous pouvez aussi bien être l'élève que le professeur dans cette histoire. Qu'est-ce qui vous Z sur ce mois de février. Le roi de denier, oui, on a des énergies quand même assez matures ici. Hein. Le roi de denier va nous parler d'expérience. Il va nous parler d'avoir pris le temps de faire fructifier les choses. Peut-être que vous avez envie de transmettre vos connaissances, encore une fois, avec ce pape et ce roi de denier. D'investir dans quelque chose de solide, à long terme, qui est fait pour durer. Le roi de denier, c'est celui qui fait fructifier ce qu'il a. Peu importe si ce qu'il a, c'est énorme ou pas. Bien évidemment que ce roi Denis pourrait nous dire que vous avez l'assise, vous avez l'expérience, vous avez les moyens, la capacité financière, matérielle. Mais en dehors de cet aspect denier-argent, la capacité intellectuelle, l'expérience de vie qui fait que vous pouvez aller dans le sens de ce que vous souhaitez. En tout cas, c'est ça qui va vous aider. On peut quand même avoir ici, avec ce roi de denier et ce pape, un signe du taureau qui influence, parce que le roi de denier en force, encore une fois, ça pourrait être une personne autour de vous qui peut vous aider, qui peut vous appuyer,
un patron, un père, un frère, un ami, en tout cas quelqu'un, un conseiller, toujours encore cette forme un petit peu de guide qui est là. Et pourquoi pas un signe de terre avec le roi denier, sachant que le pape symbolise le signe du taureau. Bon, c'est pour ça que je vous dis ça. Gardez ça dans un petit coin, c'est pas le truc essentiel, mais ça peut être ça pour vous. En tout cas, ça peut être quelqu'un qui vous offre son appui, qui vous offre son soutien. Pourquoi pas son soutien financier ici, hein. Ça peut être un banquier, ce roi denier. Ça peut être ce pape, effectivement, une certaine forme de reconnaissance, de contrat, d'engagement, de soutien que vous allez chercher ici dans une situation, dans quelque chose que vous souhaitez réaliser. Qu'est-ce qui vous challenge, les Gémeaux ? L'As de denier. Alors, ce qui vous challenge, c'est peut-être l'argent. C'est peut-être de trouver les moyens pour réaliser ce que vous souhaitez. Encore une fois, on a deux As, hein, ici, quand même, dans votre tirage avec ce magicien. Donc, il y a quelque chose de nouveau que vous souhaitez mettre en place. Cet As de denier, elle pourrait nous dire que c'est la phase concrète qui peut un petit peu être challengeante pour vous. Vous avez l'idée, vous avez les ressources, l'expérience, peut-être effectivement ici les connaissances, mais voilà, la phase maintenant, on va dire un peu challengeante pour vous, c'est la pratique. C'est vraiment concrètement comment je fais pour que cette épée, cette tasse d'épée, eh bien qui... pour l'instant, et dans ma tête, j'ai la conception, j'ai l'idée, je vois comment ça s'articule. Mais maintenant, dans le concret, comment je fais pour que ça puisse prendre forme, pour que ça puisse naître, pour que ça puisse se développer, ce potentiel, cette idée que j'ai en tête, hein. Donc, cet As de denier, ça peut être ça, la concrétisation. Ça peut être aussi, justement, ben, d'aller trouver les ressources nécessaires, hein. Donc, voilà, peut-être que encore ici, on nous parle d'un banquier ou de quelqu'un qui financièrement pourrait vous épauler, vous aider. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être des associations diverses et variées, peu importe, voyez comment ça vous parle, bien évidemment. En tout cas, cet As de denier vous dit, bon, ok, le potentiel est là, l'idée est là, bah maintenant, il va falloir passer dans la matière. Il va falloir, avec ce magicien qui a aussi tous les ingrédients pour faire sa potion, eh bien, faire les mélanges, hein, et puis passer à l'action. Il y a un petit peu de ça dans votre tirage. Bon, on regarde au niveau sentimental, l'énergie. Oh, jolie page de coupe. Il y a de la nouveauté pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de février. Le page de coupe, il va nous parler de légèreté, il va nous parler éventuellement d'une nouvelle rencontre pour certains, des débuts, des balbutiements d'une histoire d'amour, hein. C'est un peu jeune, c'est un peu léger, c'est un peu idéal, c'est un peu rêveur, c'est un peu timide avec le page de coupe, mais c'est mignon, c'est joli, ça nous émeut, il y a quelque chose qui nous fait vibrer, frétiller ici. Alors ça peut être un renouveau, hein, pour certains d'entre vous, bah, peut-être de bons moments passés avec votre compagne ou votre compagnon. Mais voilà, pour certains, c'est vraiment une nouveauté au niveau émotionnel qui peut venir s'inscrire dans votre vie. À vous de voir, bien évidemment, en fonction de votre situation. On peut avoir un signe d'eau ici, face à vous, avec le page de coupe. Mais en tout cas, on nous parle des premiers pas d'une histoire, hein, d'une connexion assez intuitive, assez facile, assez agréable, assez romantique, un peu fleur bleue, un peu, voyez, artistique. Il y a tout ce côté-là dans le page de coupe. Alors, on ira développer dans le tirage sentimental cette énergie du page de coupe pour voir un petit peu plus précisément comment ça se passe dans la matière pour vous. Mais en tout cas, c'est plutôt des énergies sympathiques, de renouveau, de légèreté, de rêve, d'idéal. Là, il y a peut-être quelqu'un qui a croisé votre chemin ces derniers temps ou qui va croiser votre chemin sur février. Et puis voilà, qui vous fait un petit peu palpiter, qui vous fait rêver, qui vous fait fantasmer. Et du coup, ça nous apporte un petit brin de légèreté qui est toujours très sympathique à prendre. Bon. On ira développer cet aspect-là, bien sûr, mais il y a une ouverture de cœur pour vous, potentiellement, sur ce mois de février. C'est plutôt pas mal. Au niveau pro, on a une arcane majeure, on a la lune. Alors, je pense que c'est sans doute ici, dans ce domaine-là, qu'il y a des choses à éclaircir, justement, qu'il y a peut-être des décisions à prendre, qu'il y a... une certaine forme, entre guillemets, d'inertie, de routine, de passivité dont vous avez envie de sortir. La lune, elle va nous indiquer que c'est encore un petit peu en sommeil, c'est encore un petit peu dans l'ombre, c'est encore un petit peu caché tout ça, hein. Il va falloir aller creuser parce qu'avec la lune, il peut y avoir une certaine part d'angoisse, une certaine
part de peur, d'épreuves à traverser, hein. Il faut aller au fond des choses avec la lune pour pouvoir faire remonter certaines choses qu'on garde un petit peu trop en soi. Alors peut-être que justement ces projets, ces nouvelles idées, ce que vous êtes en train ici a priori de vouloir mettre en place, peut-être que vous le cachez avec la lune, hein. Peut-être que vous ne l'exprimez pas, ça reste un petit peu dans l'ombre. Il y a une forme d'introspection, de réflexion intérieure, mais on est plutôt tourné vers soi-même, on n'est pas forcément vers l'extérieur, on n'a peut-être pas envie de tout dire, on n'a peut-être pas envie de communiquer plus que ça. On est en train de réfléchir, on est en train de se poser des questions avec la lune. Ça peut être encore un peu confus pour vous, avec cette énergie de, voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec la lune, mais on peut être aussi beaucoup en train de réfléchir, de se projeter, de rêver, hein, de fantasmer à une nouvelle idée, un nouveau projet. On vous le disait ici, le challenge, c'est la concrétisation. C'est vraiment le premier pas, la première graine qu'on plante. Donc, vous êtes dans le mental, vous êtes ici plongé dans une certaine forme d'introspection, de réflexion. Bon, on vous dit que vous avez les capacités pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, mais il peut y avoir quand même une petite part un petit peu une petite part d'ombre, hein, qui vient vous dire bon, voilà, est-ce que tu es bien sûr que tu vas y arriver, est-ce que tu es bien sûr que tu as les moyens de faire ça, est-ce que voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi là une situation qui est à éclaircir, une situation professionnelle dans laquelle vous naviguez un petit peu à vue, et il peut y avoir un peu de faux semblants, un petit peu de trahison, des choses un peu cachées, c'est pas très clair, c'est pas très net. Bon, voyez, hein, il peut y avoir cette idée-là de mettre en lumière certaines choses. Intérieurement, que se passe-t-il pour vous, les Gémeaux ? Intérieurement, on a le 2 d'épée. On a l'idée ici d'être pris dans une certaine forme d'indécision, de confusion peut-être pour vous sur... vous êtes... On voit l'as d'épée, il y a quelque chose, il y a une idée, il y a un éclair de lucidité, il y a une vérité, il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous, mais du coup, ça peut semer le doute parce que vous pouvez être face à un choix, un positionnement, un dilemme un petit peu dans votre tête justement par rapport à ça. Est-ce que je concrétise, est-ce que je concrétise pas? J'y vais pas. Ben oui, mais si ceci, si cela. Bon, le 2 d'épée va nous expliquer que votre mental peut être un peu dans la confusion, un peu ici comme cette lune. Donc pour moi, c'est quand même ici au niveau de vos activités, hein, professionnelles ou au moins matérielles, que les choses se passent pour vous, les Gémeaux. Et le 2 d'épée va nous indiquer une certaine forme de confusion, une certaine forme d'indécision. On ne sait plus trop de quel côté aller. On peut être un petit peu confus, un petit peu perdu et avoir peur d'agir, avoir peur de faire le mauvais choix, avoir peur de se tromper. Vous voyez, on est un petit peu dans cette ambiance-là pour vous sur ce mois de février. Et je pense que c'est par rapport à ça, là, ce que vous souhaitez réaliser, ce que vous souhaitez mettre en place. Sortie de moi. 8 de coupe, ok, on avance avec le 8 de coupe. Peut-être que vous quittez une situation pour certains d'entre vous, hein. Le 8 de coupe peut nous parler de départ. En tout cas, le 8 de coupe, il tourne le dos aux 8 coupes qu'il possède déjà pour aller chercher mieux, pour aller chercher la 9e coupe, celle du rêve, celle du souhait réalisé. Donc le 8 de coupe nous parle d'un tournant, nous parle à un moment donné d'une situation qu'on va laisser derrière soi pour aller chercher ici ce soleil, pour aller chercher autre chose. Donc peut-être que, voilà, il y a une décision importante à prendre pour vous. Peut-être que pour certains, là, vous vous ennuyez un peu dans votre activité professionnelle. C'est peut-être plus épanouissant. Vous avez envie de faire autre chose. Vous avez envie de développer d'autres activités. Vous avez envie d'être dans le, de faire une formation ou de transmettre votre savoir. On vous dit, ok, vous avez tout ce qu'il faut en main. Maintenant, c'est plus votre mental, vos peurs, une certaine forme d'indécision qui peuvent un petit peu vous travailler, vous tracasser sur ce mois de février. Mais avec le 8 de coupe, on avance, en tout cas fin février, on passe un cap, on accepte de lâcher quelque chose qui ne nous satisfait plus émotionnellement, et on le voit ici avec le 4 de coupe, qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus émotionnellement, ou qui est un petit peu trop, trop moyen, on va dire, et ce 8 de coupe, il va à la quête de cette 9e coupe, donc... Là, il y a vraiment une énergie d'avancement et d'évolution. Oui, chevalier de coupe. Vous êtes tourné. Alors, peut-être qu'ici, hein, pour certains, c'est au niveau personnel que ça se passe. Hein, c'est peut-être un engagement que vous devez rompre. Bon,
Écoutez, hein, on a vu ici qu'il y avait du renouveau. Il y a quand même ici l'énergie aussi, potentiellement, avec toutes ces coupes qui sont ressorties dans votre tirage, du signe du poisson. Hein, la lune, le page de coupe, le 8 de coupe. J'ai dit taureau, poisson, voyez comment ça vous parle. En tout cas, ce chevalier de coupe nous parle de démarche émotionnelle. C'est pas forcément sentimental. Ça peut l'être, bien évidemment, hein, parce que ça irait très bien avec ce page de coupe. Mais en dehors de ça, si on parle, si on en revient à l'aspect professionnel, c'est vraiment ici d'aller vers quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous fait rêver, quelque chose qui nous parle au niveau de notre cœur, au niveau de nos vibrations. Hein. C'est vraiment une démarche pour aller vers quelque chose qui nous satisfait émotionnellement. Voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois de février. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, c'est toujours intéressant pour moi. Merci de liker si ça vous a plu, c'est gratuit, ça m'aide, ça me fait plaisir, ça dynamise cette chaîne, ça me permet d'être motivée pour vous proposer d'autres contenus. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et puis je vous retrouve très vite pour les tirages sentimentaux de février. À bientôt.